Écoutez. Mon colonel, bonsoir. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci, mon colonel. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Mon colonel, mon colonel, mon colonel, désirez-vous que je vous cire les pompes, mon colonel? Désirez-vous que je vous félicite pour l'extermination de nombreux enfants, mon colonel? Bah, j'ai arrêté, mon colonel. C'est pas ça, ma colonel, mon colonel. Mais c'est des journalistes ou c'est des agents de communication de l'armée israélienne? Mais comment est-ce que vous voulez qu'on ait confiance dans les médias? Comment est-ce que vous voulez qu'on croit pas Rima Hassan quand elle nous dit, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle vous a dit, et elle a raison. Le colonel, à la fin, vous a félicité, bravo! Vous léchez les bottes d'Israël depuis un an, et vous rendrez des comptes. Et c'est pas une menace, quand tu dis rendre des comptes. Normalement, le premier truc auquel tu comptes, c'est auquel tu penses, c'est la justice. C'est pas parce que quelqu'un de racisé te parle de rendre des comptes que forcément, on va te monter en l'air. Vous rendrez des comptes, ouais, c'est la base. Vous allez rendre des comptes sur cette propagande pro-israélienne que vous avez menée depuis un an. On a tous des yeux, on a tous vu.